Jean-Gabriel Prévinaire. Je vais vous parler de la prise en charge des troubles éjaculatoires chez le patient neurologique sous l'angle très particulier des complications, incidents et accidents qui peuvent survenir dans le cadre de ces troubles et de leur prise en charge. Voilà un rapide plan de ce que nous allons aborder, donc surtout au départ la physiopathologie des troubles de l'éjaculation chez le patient neurologique en général et de l'importance de l'examen clinique et végétatif. On va surtout développer la partie de la prise en charge du blessé médulaire, puisque c'est chez ces patients que ces pathologies sont la plus connue. On abordera également ensuite ce que l'on sait dans le cas de la sclérose en plaques et de l'hémiplégie. Alors, chez le blessé médulaire, on a une bonne idée de la typologie des troubles sexuels sans traitement. Cela a été bien étudié. On sait que chez les patients qui ont une lésion spastique, les anglo-saxons appellent upper motor neuron lesion, on retrouve une érection dans 60 à 80% des cas, ce qui est normal puisque l'érection est essentiellement un mécanisme réflexe, mais que seul dans 20% des cas, les patients sont capables d'avoir un rapport sexuel. L'érection va se maintenir suffisamment longtemps pour un rapport sexuel satisfaisant. L'éjaculation pendant le rapport sexuel, vous le voyez, est limitée à 16% seulement des patients, 12% de ceux qui ont une lésion complète, un peu plus, beaucoup plus pour ceux qui ont une lésion médullaire incomplète. La fertilité sera également altérée, et en particulier la qualité du sperme, avec diminution de la motilité. Et l'orgasme est présent en règle chez un patient sur deux, et elle est surtout retrouvée lorsque le patient a une éjaculation qui est préservée. Inutile de rappeler que la fonction sexuelle reste pour tous les hommes, paraplégiques que tétraplégiques, une des priorités dans la récupération possible de cette fonction. Alors, pour comprendre l'éjaculation en particulier, il faut bien comprendre le fonctionnement du système nerveux autonome, également appelé système nerveux végétatif. Et vous voyez qu'il y a deux systèmes qui sont complémentaires et qui vont innerver tous les organes, tous les viscères. Donc cette double innervation qui est à la fois orthosympathique, représentée ici en vert, et parasympathique, représentée en gris. Et il y a une différence essentielle entre ces deux systèmes, en ce sens que pour le système parasympathique, l'essentiel des noyaux sont situés au niveau du tronc cérébral, sauf un seul noyau qui est au niveau sacré, qui va s'intéresser au sphincter, la vessie, le sexe et le rectum, l'anneau rectal. Alors que pour le système orthosympathique, vous le voyez, tous les noyaux sont situés au niveau médullaire et en particulier entre la moelle thoracique et la moelle lombaire, entre T1 et L2, sous contrôle bien sûr des centres supérieurs, notamment l'hypothalamus. Pour la fonction de l'éjaculation, ce sont essentiellement les centres les plus bas qui vont être incriminés, intéressés. En particulier, on va le voir, le centre T10L2 au niveau orthosympathique et le noyau moteur S2S4 pour le contrôle somatique de l'éjaculation. Au passage aussi, donc le parasympathique qui va être important, pas pour l'éjaculation, mais pour la qualité de l'érection réflexe. Le système orthosympathique est important pour l'éjaculation pour deux raisons. D'une part, la stimulation va entraîner le transport des spermatozoïdes et du sperme sur toutes les voies de l'éjaculation séminale jusqu'au niveau de la prostate. Et dans le même temps de cette stimulation, il y aura une stimulation du col vésical qui va se fermer et ce qui va éviter l'éjaculation rétrograde. Voilà représenter ces différents noyaux, donc le centre orthosympathique en vert avec d'où va partir le nerf hypogastrique, en rouge le centre somatique avec le nerf pudendal et de S2 à S4 et donc également le nerf érecteur spécifiquement pour l'érection qui est parasympathique.
Donc, pour avoir une éjaculation normale, il faut hein, que ces noyaux soient intacts et que les voies entre le système nerveux central encéphalique et médullaire soient intactes, bien entendu. Dans le cas d'une lésion médullaire, on va dire complète, dans ce cas-là, donc ISA supérieur à T10, c'est-à-dire au-dessus de ces noyaux, bien, la plupart du temps, la moelle qui est en dessous de ce niveau de la lésion va fonctionner de manière réflexe. C'est ce qu'on va appeler le syndrome pyramidal ou ce qu'on appelait anciennement le syndrome sous-lésionnel. Donc, ça correspond aux anglo-saxons, au terme anglo-saxon de upper motor neuron. Donc, la moelle va fonctionner de façon réflexe et les noyaux sont intacts sous le niveau de la lésion, ce qui veut dire que ces patients-là, paraplégiques, donc moyens ou tétraplégiques, auront toute la machinerie nécessaire pour permettre l'émission et l'éjaculation, même clonique de sperme, si la stimulation est suffisamment forte. Par contre, dans des lésions un peu plus basses et dans les lésions qui détruiraient complètement ce centre médullaire thoraco-lombaire orthosympathique, mais on sait que ces patients-là perdent complètement les possibilités d'éjaculation puisque le centre moteur est détruit. Par contre, dans des lésions plus basses, où la moelle sacrée serait complètement atteinte, ou par analogie, une atteinte de la queue de cheval, on sait que pour ces patients-là, le fait que la moelle thoraco-lombaire soit préservée fait que ces patients auront des érections psychogènes d'une part, mais surtout la possibilité d'avoir une éjaculation, alors qui sera très particulière, puisqu'elle sera sous forme d'émission baveuse pendant l'acte sexuel. Mais la particularité aussi, c'est qu'elle peut survenir en dehors de l'acte sexuel, par exemple par une activité physique qui peut être très gênante. Et donc, comme la moelle sacrée est détruite, ces patients-là n'auront pas d'éjaculation clonique. Alors, vous voyez, donc il est intéressant de savoir si les noyaux impliqués dans l'éjaculation sont intacts ou non. Et donc, pour ce faire, on va utiliser l'examen clinique qui peut être somatique et végétatif. Sur le plan somatique, vous connaissez tous le réflexe bulbo-caverneux ou bulbo-anal qui consiste à pincer le gland et à voir si de façon réflexe, le muscle bulbo-caverneux, qui est donc sous les testicules l'anus, se contracte suite à cette stimulation. Et si vous avez ce réflexe qui est présent, intact, voire plus vif, vous savez que ce segment médullaire, donc qui est entre S3, S2, S3, S4, est intact. Un autre réflexe intéressant, c'est le réflexe crémastérien, où là, la stimulation se fait en grattant la partie inférieure, la partie interne de la cuisse, et par voie réflexe, vous allez avoir une ascension unilatérale du testicule. Donc, si ce réflexe est présent, on sait que le segment médullaire, le myélomère L1, est intact. Et puis, de façon, on va dire, plus intéressante, plus spécifique, on a tout l'examen végétatif, donc je le rappelle, qui reprend donc des réflexes contrôlés par les centres moteurs qui sont étendus de T1 à L2, donc uniquement médullaires. Donc il y a une série de réflexes qui existent. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est les réflexes de sudation, de piloérection. Et donc, dès lors qu'on a une lésion médullaire, comme ici au-dessus de cette colonne médullaire, donc pour un tétraplégique où toute la moelle en dessous du niveau lésionnel va pouvoir fonctionner de manière réflexe, toute stimulation en dessous du niveau lésionnel va pouvoir stimuler l'ensemble de cette moelle et créer des phénomènes végétatifs. Par exemple, un bilan urodynamique, le remplissage de vessie, le vibromassage va pouvoir donner une sudation sur l'entièreté du corps ou une piloérection. Et en particulier, on sait que la moelle T10L2, donc responsable de l'éjaculation, sur le plan cutané, va être responsable aussi de la sudation et de la piloérection qu'on va retrouver au niveau des deux jambes, qui va être témoin donc du respect de l'intégrité de cette colonne thoraco-lombaire orthosympathique. Un autre réflexe vraiment très intéressant qu'on a étudié très récemment, c'est le réflexe du dartos, qui est très spécifique aussi d'un contrôle au niveau de thoraco-lombaire orthosympathique. Et quand on soumet donc les testicules, le périnée au froid, on va retrouver à la fois une ascension testiculaire et une rétraction de verge, qui sont cette stimulation donc orthosympathique du réflexe du dartos. Donc,
Quand on va croiser les résultats de l'examen clinique entre le somatique et le végétatif, on aura une très bonne idée si ces centres sont intacts ou non, s'ils peuvent être stimulés par des réflexes sous-lésionnels ou non. Et donc, on va pouvoir prédire le potentiel éjaculatoire de chacun des patients et orienter les traitements qui vont être proposés. Donc voilà pour la physiopathologie. On aborde maintenant la CIA en tant que telle, les complications, incidents et accidents qui peuvent survenir dans le cadre de l'éjaculation. Alors, bien sûr, tout d'abord, le fait que du fait de la maladie neurologique, cette éjaculation est diminuée. Donc, on a vu, c'était 16% d'éjaculation pendant le rapport sexuel, donc un peu plus quand la lésion médullaire est incomplète. On sait aussi que l'éjaculation peut être rétrograde dans un certain nombre de cas. Uniquement retrouvé sans éjaculation antégrade dans en gros 20 à 30% des cas, mais dans un certain nombre de cas aussi, on aura un mixte d'éjaculation antégrade et rétrograde. En ce qui concerne l'implication des traitements médicamenteux en rapport avec l'éjaculation, mais on sait que les chances d'avoir une éjaculation antégrade vont diminuer si on donne des médicaments qui vont diminuer la qualité de l'érection réflexe. On sait qu'une bonne qualité d'érection favorise l'éjaculation inversement. Donc, avec du baclofène, cela a été montré intrathécal ou péros, si on diminue la qualité de l'érection, probablement parce que le gland est moins stimulable si l'érection est de moins bonne qualité, l'éjaculation sera moins fréquente. Et en ce qui concerne l'éjaculation rétrograde, on le sait bien maintenant, certains médicaments alpha-bloquants, notamment le tamsulosine, vont augmenter ce risque d'éjaculation rétrograde. De façon un peu plus curieuse, on sait qu'il était montré par l'équipe de Caremel que lorsqu'on traitait par la toxine botulique, l'hyperactivité dithryosaurienne par la toxine botulique intravésicale, on augmentait les risques d'éjaculation rétrograde. Donc, le traitement de première intention en cas de trouble de l'éjaculation, c'est la stimulation pénienne vibratoire avec des paramètres qui sont maintenant bien connus en termes d'amplitude de fréquence, qui sont ceux le plus à même de déclencher l'éjaculation. Alors, pourquoi ça marche? Et ça marche à peu près chez un patient sur deux. C'est que grâce à la stimulation pénienne vibratoire, vous l'imaginez bien, il y a une intensité de stimulation qui est vraiment beaucoup plus forte que ce qu'on peut avoir avec des stimulations pendant un rapport sexuel. Donc là, c'est quand même une fréquence un plateau qui vibre à une fréquence de 100 Hz, c'est une amplitude de 2,5 mm, donc stimulation vraiment très forte, et que c'est la moelle va être vraiment bombardée d'informations par les voies afférentes, donc par le nerf dorsal de la verge, et où vous allez mettre en branle toute la partie inférieure de la moelle, y compris si la lésion est au-dessus de T10, y compris donc cette moelle, ce fameux centre orthosympathique T11L2, et donc vous allez déclencher des phénomènes orthosympathiques et l'éjaculation. Donc la complication qu'on peut attendre dans le cas de cette stimulation, c'est la fameuse hyperréflexie autonome, c'est-à-dire un orage végétatif, une stimulation de toute la colonne orthosympathique, non seulement pour l'éjaculation, mais aussi pour des fibres du nerf splanchnique qui vont donner une vasoconstriction dans le territoire splanchnique, c'est-à-dire dans le territoire abdominal, où il y a en gros à peu près 50% du sang du corps humain. Et donc cette vasoconstriction va entraîner une hypertension artérielle, une augmentation d'une hypertension artérielle avec des chiffres qui peuvent aller très haut, au-delà de 200 mm de mercure. Et le patient va le ressentir évidemment de façon très désagréable sous forme de céphalée notamment. L'ensemble de la colonne orthosympathique suivant le niveau va pouvoir être stimulé et on retrouvera, comme je l'ai montré tout à l'heure, également de la sudation, de la piloérection ou d'autres phénomènes cutanés par exemple. En réaction à cette stimulation orthosympathique, la seule manière qu'a le corps humain de faire face à cette hypertension artérielle, à cette stimulation, c'est d'augmenter en contrepartie le système parasympathique. Et donc, on aura d'une part l'orthosympathique qui va battre très fort et d'autre part le système parasympathique qui va être stimulé pour contrer cet effet. Et donc, ça va déclencher une bradycardie qui va pouvoir être très importante, très sévère, parfois même inférieure ou souvent inférieure à 50 pulsations par
minute. Et on sait que quand la bradycardie est sévère, cela donne des risques accrus d'arythmie cardiaque, de troubles du rythme cardiaque. Lorsque la stimulation vibratoire seule n'est pas efficace, on va pouvoir utiliser un médicament qui est le Gutron, qui va augmenter les chances d'éjaculation. Là, c'était bien montré dans différentes études, notamment par Soler et Courtois. Le protocole est maintenant bien connu. On commence par des doses de faibles de Gutron, de 3 comprimés de l'ordre de 9 mg. Et si nécessaire, on augmentera par palier à chaque essai. Ce traitement est donné en gros une heure et demie avant la stimulation vibratoire. On augmente ainsi le taux de succès, le midodrine étant un alpha adrénergique qui va donc stimuler le système orthosympathique et donc le transport du sperme en périphérie. Le taux de succès retrouvé est de l'ordre de 50%, 50 à 75% quand la stimulation pénienne vibratoire est combinée à ce traitement par Gutron. Alors, le problème de la midodrine, c'est que c'est bien un alpha adrénergique, donc il va également entraîner une vasoconstriction périphérique et donc cela va augmenter le risque d'hyperréflexie autonome et qui sera beaucoup plus grand, beaucoup plus important que si la stimulation pénienne vibratoire est utilisée seule. Donc, il faudra, lorsqu'on fait ces tests, effectuer un contrôle tensionnel régulier et c'est une raison pour laquelle ce traitement par Gutron ne peut pas être pris au domicile. De même, il faut savoir que comme le Gutron entraîne une vasoconstriction périphérique, mais également au niveau de la verge, la qualité de l'érection sera moindre. Et enfin, la stimulation pénienne vibratoire, il faut savoir que la stimulation est assez forte, donc il faut faire attention à ne pas créer de lésions au niveau du gland. Donc c'est pour ça qu'on recommande aussi de ne pas faire de stimulation de façon quotidienne. Et bien sûr, chez les patients qui ont une sensibilité préservée, voire des douleurs neuropathiques dans cette région, la stimulation peut être perçue comme très douloureuse. Et il faut parfois diminuer un peu l'intensité de la stimulation par diminution de la fréquence ou de l'amplitude pour qu'elle soit supportable. Et puis, malgré tout, une complication, c'est que cet appareil ferticaire en particulier coûte cher. La société qui était danoise a été rachetée et les prix avec cette nouvelle version sont passés à 900 euros pour un vibromasseur. Voilà pour les lésions médulaires. En ce qui concerne la sclérose en plaques, voilà, on sait bien maintenant que les troubles sexuels associés à la maladie sont importants et fréquents en termes de dysfonction érectile et éjaculatoire, vous voyez, 50 à 85% des cas, avec une diminution avec des troubles de l'orgasme aussi dans 50% des cas, des troubles de la libido aussi importants. Ce qui est important de savoir, c'est que ces troubles sexuels peuvent être retrouvés à tout stade de la maladie, parfois même très vite, très tôt, et que ça va bien sûr affecter la qualité de vie. Pour les troubles sexuels dans leur ensemble, on a retrouvé une corrélation positive entre ces troubles sexuels et le DSS. Donc plus la maladie a un impact sévère, plus les troubles sexuels seront sévères. En ce qui concerne l'éjaculation en particulier, il y a une étude récente de l'équipe d'Amarenco sur 44 patients qui retrouvent la typologie très particulière de ces troubles éjaculatoires avec retard de l'éjaculation dans 52%, diminution de la puissance de l'éjaculation, du volume de l'éjaculat. Vous voyez tous les pourcentages avec un certain pourcentage aussi de patients qui sont une anéjaculation. On sait que l'éjaculation prématurée est également très fréquente et avec des troubles de l'orgasme dès lors que l'éjaculation est perturbée. Une des particularités de cette étude, c'est qu'ils avaient trouvé une corrélation négative ici entre le DSS et les troubles de l'éjaculation, donc un impact plus fort quand la lésion était moins importante, peut-être du fait que au stade de précoce, les troubles de l'éjaculation sont plus préoccupants, alors que quand la maladie évolue, il y a d'autres troubles qui se rajoutent et les problèmes éjaculatoires en particulier passent peut-être au second plan. À quoi sont liés ces troubles sexuels et éjaculatoires en particulier? D'abord à la maladie elle-même, ce qu'on appelle les troubles primaires. Ils peuvent être et très fréquemment secondaires, notamment avec toutes les atteintes physiques qui découlent de la sclérose en plaques, la fatigue, la spasticité, les troubles sensitivo-moteurs, la douleur,
Et bien sûr, tous les facteurs tertiaires psychosociaux, la dépression, l'anxiété, l'image de soi, la crainte du rejet qui vont impacter négativement la sexualité et l'éjaculation de l'homme. On n'oubliera pas, bien sûr, la iatrogénie des médicaments, les alpha-bloquants qui peuvent être donnés, qui vont aggraver l'éjaculation rétrograde, les antidépresseurs et les neuroleptiques qui peuvent avoir aussi un impact négatif sur l'éjaculation. En ce qui concerne les traitements, ils seront similaires à ceux proposés aux blessés médullaires. Juste un petit mot sur les antidépresseurs et l'éjaculation prématurée. Il a été montré qu'il y a un antidépresseur très spécifique qui pouvait être utilisé contre l'éjaculation prématurée, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, la d'apoxétine, à donner quelques heures avant le rapport sexuel. Et nous terminons donc par les troubles éjaculatoires de l'hémiplégie. De façon très surprenante, quand vous faites une recherche sur PubMed, en croisant par exemple stroke et éjaculation, on ne retrouve que 23 articles. Pour dire que l'éjaculation est quand même un phénomène en tant que tel qui est peu connu, peu étudié chez l'hémiplégique. Alors, quelles sont les causes des troubles éjaculatoires dans ce cadre-là? Elle est multifactorielle comme la sclérose en plaques, si ce n'est qu'on retrouve pas nécessairement beaucoup de facteurs primaires, mais plus des facteurs secondaires et tertiaires. L'état prémorbide, l'âge, les médications, les traitements, et bien sûr des facteurs psychosociaux importants, et en particulier la peur de la récidive de l'accident vasculaire cérébral, en plus des facteurs dépressifs qui peuvent être surajoutés. Et effectivement, est-ce que c'est légitime de craindre une récidive de l'accident vasculaire cérébral liée aux poussées tensionnelles qu'on peut retrouver pendant l'acte sexuel? Alors, une étude récente. Il y a eu plusieurs études sur la stimulation orthosomatique qu'on peut retrouver pendant le rapport sexuel et pendant l'éjaculation et l'orgasme en particulier. Pour revue, vous pouvez prendre cet article de Davidson de 2016. En fait, en moyenne, la plupart des études retrouvent qu'un rapport sexuel habituel pour une personne est à l'origine d'une augmentation de la tension artérielle systolique de plus 30 mm de mercure par rapport à la ligne de base et d'une augmentation de la fréquence cardiaque d'environ 54 battements par minute. Donc, ce sont des valeurs moyennes, mais qui sont comparables à des valeurs qu'on peut obtenir pendant un effort physique habituel pendant la journée. Donc, dans ce cadre-là, on ne peut certainement pas déconseiller l'activité physique, pas plus qu'une autre, l'activité sexuelle, pas plus qu'une autre activité physique. Je rappelle aussi qu'il y a un consensus de Princeton et une troisième version qui a été faite. Qui sont des recommandations de prise en charge de la dysfonction érectile et de la maladie cardiovasculaire. Donc, j'imagine que ça va être traité dans le premier topo sur les problèmes d'érection. En fait, cette recommandation, c'est ce consensus qui s'assure que la santé cardiovasculaire de chaque homme est adéquate pour permettre une activité sexuelle avant de prescrire un traitement pour la dysfonction érectile. Donc, je vous y réfère. Et donc, en ce qui concerne la reprise d'activité sexuelle pour un patient hémiplégique, il faut s'assurer, bien entendu, d'une bonne régulation tensionnelle et bien sûr avoir certaines règles de prudence, en particulier si l'accident vasculaire est lié à une rupture d'anévrisme. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on se retrouve pour une discussion en live. Merci. Bonjour à tous. Nous allons donc aborder les complexes explications, incidents, accidents des prises en charge des troubles sexuels chez la femme, ou je parlerai plutôt de difficultés de prise en charge des troubles sexuels chez la femme. Alors d'abord, la sexualité. Dans la sexualité, il y a toujours deux aspects, le plaisir et la reproduction. Dans cette communication, nous n'aborderons que la sexualité plaisir. Il faut connaître également la classification des troubles sexuels féminins, actuellement classés en quatre groupes, les troubles du désir, les troubles de l'excitation sexuelle, les troubles de l'orgasme, les syndromes douloureux avec les dyspareunies profondes et superficielles dont fait partie le vaginisme. Alors, quelles sont ces difficultés de prise en charge pour les soignants? Alors, pour les soignants, il y a plusieurs erreurs à ne pas commettre. Déjà, il ne faut pas méconnaître et négliger les troubles sexuels. On sait maintenant qu'une bonne santé sexuelle participe à la santé et au bien-être et
En cas de maladie, on sait que la prise en charge globale de la femme va optimiser, et la prise en charge globale de la femme avec la sexualité optimise le vécu, l'acceptance et l'efficacité des traitements. Il ne faut pas non plus sous-estimer la prévalence des troubles sexuels. On sait dans la population générale que 66% des femmes décrivent des dysfonctions sexuelles qui peuvent être légères, modérées ou des fois sévères. Et on sait également que les cancers et les maladies chroniques comme la sclérose en plaques, le diabète, les rhumatismes inflammatoires et leurs traitements peuvent avoir un impact sur la santé sexuelle. Comme exemple, on peut parler dans la sclérose en plaques, selon les études, de 40 à 74% des femmes atteintes de sclérose en plaques qui souffrent de troubles sexuels. Et on sait également qu'il y a des médicaments qui ont des impacts sur la sexualité, notamment dans le Parkinson. Certains médicaments anti-parkinsoniens peuvent entraîner une hypersexualité chez l'homme, mais également chez la femme. Il ne faut pas non plus manquer de connaissances en médecine sexuelle, car la fonction sexuelle est complexe et que les troubles sexuels sont souvent d'origine plurifactorielle, socioculturelle, religieuse, psychologique et aussi organique. Et dans les causes organiques, il y a toutes les pathologies neurologiques, endocriniennes, vasculaires qui peuvent retentir sur la sexualité. Il ne faut pas méconnaître non plus l'anatomophysiologie des réactions sexuelles de la femme, d'autant plus que les nouvelles études ont amélioré la compréhension et la prise en charge des troubles sexuels féminins. Alors, une faute importante, bien sûr, serait de ne pas éliminer une infection organique pouvant avoir un impact direct sur la fonction sexuelle. Et à ce moment-là, on parle de dysfonction sexuelle dite primaire. C'est bien la lésion organique qui entraîne un trouble de la sexualité. Et partir tout de suite sur une piste uniquement psychologique, donc bien évaluer l'absence d'affection organique. Et dans les affections organiques, il y a plusieurs types d'étiologies, on retrouve toutes les étiologies classiques, donc chez la femme, les causes gynécologiques comme les bartholinites, les bridyménias, les accouchements dystociques, les sécheresses vaginales qui peuvent aller jusqu'au lichen vulvaire. Il y a également toutes les causes hormonales et biologiques. On peut donner comme exemple dans les hyperprolactinémies la baisse de désir, comme dans l'adénome hypophysaire ou au cours de l'allaitement. Dès que l'allaitement est terminé, l'hyperprolactinémie disparaît, le désir réapparaît. Et puis il y a des actions de nombreux neurotransmetteurs neuropeptides comme la luliférine, l'ocytocine, dites les hormones de l'amour plutôt, la testostérone, les endorphines, la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline qui ont un impact sur les réactions sexuelles. Les autres causes organiques à éliminer sont toutes les causes traumatiques avec les plaies au niveau des organes génitaux, les mutilations et toutes les causes neurologiques, médicales comme la sclérose en plaques, le Parkinson, toutes les atteintes radiculomédulaires congénitales ou acquises, de quelque origine qu'elles soient, les névralgies pudendales au cours du cyclisme, l'équitation, donc se référer aux critères de Nantes de Jean-Jacques Labatte. Et puis une précaution à prendre également, si l'on doit réaliser un examen clinique périnéal, c'est le faire systématiquement en présence d'un tiers pour éviter une plainte de la patiente, légitime ou non. Alors, en cas d'atteinte organique qui peut entraîner ou non une dysfonction sexuelle primaire, c'est aussi le travail de voir si la lésion organique entraîne vraiment un impact ou pas. Mais en dehors de la dysfonction sexuelle primaire, c'est-à-dire de l'impact direct de la maladie sur les réactions sexuelles, il faut savoir si cette atteinte organique ne peut pas avoir entraîné des dysfonctions sexuelles qui sont secondaires aux symptômes de la pathologie. Donc, il n'y a pas un impact direct sur la sexualité, mais ce sont les symptômes de la pathologie qui vont indirectement perturber la qualité de vie sexuelle, comme la fatigabilité, les syndromes anxio-dépressifs, les troubles moteurs, sensitifs, spastiques, les douleurs, les tremblements, les troubles sphinctériens. Il est certain qu'en cas d'incontinence urinaire ou fécale, la qualité de vie sexuelle n'est pas satisfaisante et qu'il faut donc y remédier. Et puis, il ne faut pas négliger non plus les dysfonctions sexuelles tertiaires qui sont, elles, en lien avec l'impact de la pathologie sur la personne elle-même, donc l'estime de soi, l'image corporelle, le projet de vie, et puis également sur la relation de couple, la place au sein de la famille et de la société de la femme. Les autres écueils seraient de ne pas penser aux causes iatrogènes. Donc, le rôle des médicaments chez les femmes a été moins évalué que chez l'homme, mais il est certain que les antidépresseurs, les neuroleptiques, les antihypertenseurs, les antiarythmiques, tous ces médicaments peuvent avoir une action sur la sexualité. Il faut également penser à rechercher un abus de substances toxiques. Le tabagisme, l'alcoolisme, les drogues peuvent entraîner des troubles de la sexualité. Et
Il est important également de tenir compte chez la femme des répercussions possibles du syndrome métabolique. Ceci a très bien été étudié chez les hommes, peu chez les femmes actuellement, mais il est probable qu'on ait les mêmes conséquences pour les réactions sexuelles de la femme que pour les réactions sexuelles de l'homme, avec des retards à ces réactions ou des disparitions même des réactions sexuelles. Alors, quelles sont les thérapeutiques à proposer? On va se confronter à nouveau à une difficulté et à un écueil, car chez la femme, il y a très peu de traitements médicaux efficaces dans les dysfonctions sexuelles, comparés aux nombreux traitements des dysfonctions sexuelles masculines disponibles actuellement. On peut discuter, par exemple, pour la baisse de libido, l'intérêt de prendre de la flibanserine, commercialisée sous le nom d'ADI, un antidépresseur qui aurait eu des effets sur la libido, mais en fait, qui ne dure pas dans le temps. On peut discuter également du rôle des patchs intrinsa de testostérone en cas d'hystérectomie totale. Pour la fonction excitatoire, on peut également discuter du rôle des inhibiteurs de la phosphodiestérase, des IPDE5, dont l'efficacité a été prouvée chez l'animal en montrant qu'il y avait bien un engorgement des tissus érectiles des femelles animales lorsqu'elles étaient sous IPDE5, mais chez la femme, ça n'a pas été prouvé de la même façon. Quelques palliatifs utiles, par contre, dont il faut savoir se servir, ce sont les vibromasseurs, les vacuums féminins pour développer les habiletés corporelles et toutes les crèmes hydratantes, hormonales ou non hormonales, qui peuvent améliorer la sécheresse vaginale et les lubrifiants. Mais pour ce qui est des thérapeutiques, on a essentiellement recours à l'information, à l'éducation sexuelle des femmes, puis les conseils qui peuvent être fournis par des soignants formés, sexologues ou non, et enfin des sexothérapies, qui, elles, doivent être réservées aux soignants sexologues formés. Ensuite, il est très important de connaître, d'exprimer ses limites et savoir être rassurant pour ne pas laisser la femme dans le doute ou l'impression que sa question n'est pas intéressante ou n'a pas de réponse. Et il faut ne pas hésiter à dire que je ne suis pas sexologue, mais je peux vous aider jusqu'à un certain point ou dans la mesure de mes connaissances. Et puis, pensez à appliquer une méthode simple qu'on appelle la méthode RIO, qui veut dire ratifier, importance, orienter. Ratifier, ça veut dire qu'on a entendu la demande. Importance, c'est qu'on a compris l'importance de la question de la demande de notre patiente. Et orienter, sans hésiter, sans complexer, d'où la nécessité d'avoir un réseau de correspondants compétents pour aborder ces questions avec les femmes. Alors maintenant, quels sont les prérequis pour faciliter les prises en charge des troubles sexuels chez la femme? Il faut avoir quelques notions d'anatomophysiologie des réactions sexuelles féminines. Alors déjà, les phases de la réponse sexuelle féminine ont été classées en 5 phases: phase de désir, phase d'excitation, phase de plateau, d'orgasme et de résolution, bien schématisées par Masters et Johnson dès les années 50-60. Ils avaient simplement oublié sur leur schéma de noter le désir, qui est quand même la première étape importante. Il faut également avoir des notions d'anatomie féminine sur les organes génitaux externes en particulier, qui sont difficiles à voir, donc il faut les examiner soigneusement. Et en particulier pour les femmes, nécessité d'utiliser un miroir, puisque contrairement à l'homme, les organes génitaux externes chez la femme ne sont pas visibles si on n'utilise pas de miroir. Et apprendre également aux femmes à toucher leur vulve, alors que les hommes ont beaucoup plus l'habitude de toucher leur verge, si ce n'est déjà tous les jours ou plusieurs fois pour la miction, lors de la miction. Avoir des notions également sur les nouvelles descriptions anatomiques du clitoris grâce à Hélène O'Connell, une médecin chirurgien australienne qui en 1998 a bien décrit l'anatomie du clitoris avec cette double arche constituée d'abord par les corps caverneux qui se rejoignent au niveau du raphet et qui vont former le gland du clitoris, qui est la seule partie externe visualisable. Puis les bulbes qui vont enserrer l'urètre et le vagin, tout ce complexe clitoridien qui a été bien décrit par donc O'Connell, mais également par Foldès et Buisson, qui sont donc des médecins français, également par des Italiens. La stimulation donc du gland va permettre d'avoir une stimulation de tout le complexe clitoridien, mais on va voir que la stimulation endovaginale peut également entraîner un engorgement de tout le système clitorido-vaginal.
La notion du point G, qui a été décrite dès 1950 par Greifenberg, qui est donc une région localisée à la face antérieure du vagin, proche de l'urètre, dont la stimulation lors de la pénétration peut aider les femmes à atteindre l'orgasme, parce que le vagin, bien que peu innervé, contrairement au clitoris, est sensible à la pression. Donc, si on ajoute le complexe clitorido-urétro-vaginal et le point G, on va voir que la stimulation sexuelle, donc là c'est l'image au repos, l'image après stimulation, la stimulation sexuelle, on verra un peu plus loin que ce soit une stimulation réflexe locale ou une stimulation plutôt cérébrale au-dessus des organes génitaux externes, cette stimulation sexuelle va permettre un engorgement du corps du clitoris autour de l'urètre et autour de la face antérolatérale du canal vaginal et va entraîner une érection du clitoris et que conjointement, il y aura un engorgement du tiers externe du vagin et de la fameuse zone du point G. Du coup, actuellement, la nouvelle conceptualisation de l'orgasme, bien décrite par Odile Buisson, c'est de parler d'un seul orgasme clitorido-vaginal et de ne plus opposer orgasme clitoridien et orgasme vaginal. En fait, ce sont le même orgasme, seulement avec des portes d'entrée différentes, soit stimulation directe du gland du clitoris, soit une stimulation du gland du clitoris, mais également une stimulation du corps clitoridien par la pénétration et la stimulation endovaginale. Pour illustrer cela, vous pouvez regarder une vidéo de 10 minutes sur Google faite par Odile Buisson, « Le clitoris, c'est inconnu ». Quelques notions également de neurophysiologie des réactions sexuelles. Donc, comme chez l'homme, on décrit une voie réflexe et une voie psychogène pour déclencher l'érection du pénis, on va voir qu'on peut déclencher les réactions sexuelles chez la femme par une stimulation locale des organes génitaux externes qui est transmise à la moelle sacrée au niveau des métamères sacrés S2, S3, S4 et qui va permettre une activation de cette boucle réflexe par les nerfs pelviens parasympathiques et somatiques sacrés et entraîner donc une érection des tissus érectiles féminins. Mais on peut également entraîner l'érection de ces voies génitales féminines par une excitation psychogène, une stimulation centrale visuelle, olfactive, auditive, mnésique, imaginée ou réelle. Et cette stimulation psychogène peut entraîner également une érection des corps caverneux et des bulbes chez la femme et du gland clitoridien via la moelle thoracolombaire, T11, T12, L1, L2, par le ganglion cœliaque, les nerfs hypogastriques sympathiques et le plexus utérovaginal. Maintenant, la conception de l'orgasme, le support neurologique de l'orgasme. Excusez-moi, hop, je me suis trompée. Donc, si on prend le modèle de la femme lésée médullaire, l'excitation sexuelle, finalement, va entraîner une excitation de tout le système sympathique qui innerve les voies génitales, mais qui innerve également d'autres viscères comme le cœur, les poumons, les vaisseaux sanguins, et également même au niveau des muscles, il y a des récepteurs alpha-sympathiques, d'où des réponses cardiovasculaires, musculaires, autonomiques, qui, quand elles arrivent à leur maximum, provoquent l'orgasme. Et en cas de lésion médullaire, par la chaîne sympathique ou même peut-être le nerf vague, on pourrait court-circuiter la lésion médullaire et permettre ainsi aux femmes blessées médullaires de percevoir ces réactions et de pouvoir déclencher des orgasmes. Et c'est des auteurs comme Marc Alasivski qui pense à plutôt une origine somatique uniquement du déclenchement de l'orgasme, ou Beverley Whipple qui pense que c'est uniquement la voie du vague, ou Frédéric Courtois qui pense que c'est plutôt un orage végétatif sympathique arrivé au maximum, une sorte d'hyper-réflectivité autonome à minima, comme on le voit chez les blessés médullaires, qui déclencherait la sensation orgasmique. Pour les femmes maintenant, quelles sont les difficultés des prises en charge des troubles sexuels? Déjà, la première difficulté, c'est comme pour les soignants, c'est un sujet intime, c'est difficile d'en parler, surtout lors d'une première consultation, et de se confier à un soignant. Et le manque de temps de la consultation pour créer un climat de confiance, puis ensuite évaluer les troubles, combattre les fausses croyances, les idées reçues, pallier le manque d'éducation sexuelle, apprendre à expliquer l'anatomie et les réactions sexuelles féminines, tout cela, ça prend du temps. Donc, ce sont des consultations chronophages. Et l'autre souci, c'est le manque d'accessibilité aux prises en charge. Alors, accessibilité aussi bien physique, parce que des fois, les cabinets ne sont pas accessibles, mais accessibilité également sur le plan financier, parce qu'en France, nous disposons de nombreux sexothérapeutes qui sont très bien formés,
Mais par contre, il n'y a pas du tout de remboursement de la prise en charge ou peu de remboursement quand il s'agit de médecins, puisque si les médecins sexologues sont maintenant reconnus en France, ils ne sont pas reconnus comme des médecins spécialistes et donc le tarif de la consultation, même si elle dure 45 ou 60 minutes, n'est qu'une consultation de généraliste. Ensuite, les prises en charge des troubles sexuels chez les femmes sont difficiles car de nombreux événements de vie vont influencer la sexualité des femmes, les grossesses, les accouchements, les chirurgies urogynécologiques, conséquences des TVT, des TOT, d'une hystérectomie totale par exemple, la ménopause qui peut avoir des effets bénéfiques parce qu'on est libéré du syndrome prémenstruel et que les femmes ont une vie plus épanouie, sexuelle plus épanouie, au contraire avoir les effets néfastes avec la carence œstrogénique et les controverses sur le traitement, faut-il traiter, ne faut-il pas traiter, le traitement qui fait peur, les maladies sexuellement transmissibles qui vont aussi impacter sur la qualité de vie sexuelle et la peur d'avoir des maladies sexuellement transmissibles. Ensuite, la contraception, qui a été une révolution bien sûr pour la sexualité des femmes, en les délivrant de la peur d'avoir une grossesse non désirée et de risquer un avortement parfois mortel, qui était en plus puni par la loi de 1920 et qui a été légalisée seulement en 1975. Les violences, alors la contraception avec ses contraintes, hein, parce qu'il y a quand même des contraintes avec la contraception, des effets secondaires qui peuvent effectivement être sévères, avec notamment la loi de 2012 de cette jeune femme qui avait eu un AVC en 2006. Non, j'ai oublié le nom, je suis désolée. Il s'agit de Marion Lara. Marion Lara qui donc a. Qui avait eu un AVC en 2006 sous contraceptif et le procès a montré que le contraceptif était en cause, donc à nouveau crainte de la contraception. Les violences sexuelles des femmes, subies par les femmes, qui sont parfois difficiles à avouer et à dénoncer. On sait qu'actuellement en France, il y a une femme qui décède. Alors là, je mélange avec les violences conjugales, ce n'est pas la même chose, mais les violences conjugales font aussi parfois associées à des violences sexuelles. Mais pour ce qui est des violences sexuelles, on sait qu'actuellement en France, il y a 213 000 femmes qui déclarent avoir été victimes de violences physiques et ou sexuelles. Et que si on parle des tentatives de viol, il y a actuellement en France 94 000 femmes majeures par an qui ont déclaré avoir été victimes d'un viol. 9 femmes sur 10 connaissent leur agresseur, une victime sur 10 déclare avoir déposé plainte et que c'est important à prendre en charge, mais c'est difficilement avouable. Alors, ce qu'on pourrait dire en conclusion, pour limiter les complications incidents-accidents des prises en charge des dysfonctions sexuelles féminines, il est nécessaire d'améliorer la formation et les connaissances des soignants et par là même des femmes sur l'anatomie générale, la physiologie des réactions sexuelles féminines, pour mieux comprendre la sexualité et ses réponses. Il faut savoir dépister ces troubles sexuels féminins, prendre du temps pour une écoute active et bienveillante, et avoir un réseau de correspondants compétents pour pouvoir référer les demandes auxquelles nous ne pouvons ou ne savons pas répondre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Prenez bien soin de vous et à un prochain Zoom. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présents à cette discussion sur une magnifique session sur la médecine sexuelle que vous avez animée tous les trois, Kathleen, Jean-Marc et Jean-Gabriel. Donc maintenant, merci de vous prêter à cette série de questions et de réponses. Alors malheureusement, nous ne sommes pas à Annecy. Alors je vous ai mis un fond d'écran qui est une vue dépensière quand même sur le lac. Peut-être, et on espère que l'année prochaine, on se retrouvera sur les berges du lac d'Annecy. Alors pour l'instant, donc, quelques questions, enfin de nombreuses questions après les brillants exposés que vous avez faits tous les trois. Tout d'abord, honneur aux femmes. Kathleen, si tu veux bien, je vais te poser quelques questions, mais tout le monde a le droit, voire même le devoir, hein, Jean-Marc et Jean-Gabriel, d'intervenir pour te challenger un petit peu sur ta présentation sur la médecine sexuelle et les complications, incidents et accidents chez la femme neurologique. Alors, la première question que je souhaiterais te poser, c'est, ça fait partie d'ailleurs de tes diapositives, est-ce qu'il ne faudrait pas ou est-ce qu'il faut éduquer les soignants, les infirmières et les médecins de MPR ou d'urologie à
interroger les patients d'une manière spécifique sur leurs problématiques sexuelles. Et en corollaire, est-ce qu'il faut toujours systématiquement aborder cette problématique sexuelle avec toutes les femmes qui ont des pathologies neurologiques? Parce que des fois, on est un petit peu gêné. On a manifestement des femmes qui peuvent se questionner sur cette problématique. Et puis d'autres, on n'est pas forcément très, très à l'aise pour aborder ce problème. On a un peu peur de leur, entre guillemets, violer leur intimité, de faire une éruption dans leur moi intérieur et qu'elles n'ont pas forcément envie d'aborder le problème. Alors, qu'est-ce que tu penses d'abord de la formation des soignants? Et deuxièmement, comment tu abordes ça? Est-ce que tu penses qu'il faut l'aborder d'une manière systématique ou non? Alors, je réponds, c'est deux bonnes questions très intéressantes et fondamentales même. Alors, je réponds d'abord à la deuxième, parce que c'est plus facile. En fait, c'est vrai que c'est à la fois difficile d'aborder la sexualité, mais c'est vrai que finalement, d'abord, on est quand même dans un milieu de soignants, et si on est quand même dans une relation de confiance avec la patiente qu'on a en face de soi, on peut quand même poser une question. Alors après, c'est là où vient la formation, c'est pour ça que je répondrai après à la première question. Et que si on a les bons mots pour, c'est très facile de voir la femme qui a envie de parler de ses problèmes et la femme qui n'a pas envie d'en parler. Et la femme est à qui on peut d'ailleurs dire, si vous sentez que c'est pas le bon moment, pour en parler après. Donc, c'est déjà de lancer une… Et par contre, la première partie de ta question, c'était pour les femmes, c'était effectivement, je pense qu'il faut l'aborder systématiquement pour toutes nos femmes qui ont des pathologies neurologiques, puisque on a vu dans le diaporama que la pathologie, quelle que soit la pathologie neurologique, périphérique, centrale, il peut y avoir des répercussions sur les réactions sexuelles. Donc, bien sûr, ça devrait même… On avait l'envie avec Corinne, ma collègue, de le faire systématiquement dans l'observation d'entrée, puisque ça peut faire partie d'une prise en charge spécifique et ça peut être une vraie problématique pour certaines femmes. Donc, oui, je pense qu'il faut l'aborder, mais bien sûr, respecter. Et puis, on le sent tout de suite quand une femme a envie d'en parler ou pas envie d'en parler. Et la première partie de ta question, c'était bien sûr la formation des soignants. Il faut un minimum de formation, mais avec quelques formations très simples. Je pense que le minimum, le B.A.B.A., comme on appelait le prérequis dans les diapos, ça peut se faire sans problème. Mais effectivement, il faut avoir quelques éléments pour savoir comment aborder les choses. Jean-Gabriel, Jean-Marc, vous partagez l'opinion de Kathleen? Gabi. Oui, bien sûr. Certainement, la problématique pour la femme est différente de l'homme. Et c'est sûrement aussi différent si on est en consultation externe ou en hospitalisation pour un temps plus long. Et autant en hospitalisation pour les femmes, naturellement, ça va se faire. Le contact va être pris, les propositions faites d'une prise en charge. Autant en consultation, c'est quand même beaucoup plus délicat. Et la question se pose aussi sur le temps de consultation et les moyens qu'on va pouvoir mettre en place derrière. Parce que autant pour l'homme, on peut d'emblée proposer aussi des techniques pour l'érection, pour l'éjaculation. Autant pour les femmes, c'est vrai que les moyens mis en œuvre sont plus de l'ordre de la sexologie, de la sexothérapie, oui, plutôt que des moyens physiques qu'on peut proposer aux hommes. On va aborder ce type de question après. Je peux rajouter quelque chose. Pour l'homme, je pense que systématiquement, il faut poser la question. Si le patient est intéressé, on va plus loin. Si le patient n'est pas intéressé, on le dit carrément. Exactement. Et tout examen clinique, patient neurologique, il faut poser la question, quel que soit l'âge. Moi, mon expérience de neuro-urologie sur ces patients, j'aborde le problème urinaire, j'aborde le problème anorectal et je leur dis, je vais aborder le problème sexuel simplement parce que c'est les mêmes niveaux, grosso modo, d'intégration au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Je vais vous poser deux, trois questions, vous êtes tout à fait libre de ne pas y répondre, parce que autant le problème urinaire, vous avez un enjeu vital, autant le problème anorectal, il y a la qualité de vie, mais ça peut retentir sur la vessie, autant le problème sexuel, c'est un problème très personnel de qualité de vie. Donc, je vais poser deux, trois questions, si vous le voulez bien, et sachez qu'il y a une consultation spécifique de neurosexologie. Voilà un peu comme j'aborde les choses. Oui. Moi, je fais pareil pour les blessés médulaires. Tous les blessés médulaires sont pris en charge comme ça, avec les trois questions, les trois domaines, comme tu le dis. La différence, peut-être, c'est que quand tu as une consultation, on va dire tout venant, pas nécessairement pour un problème sphinctérien, il y a un problème de marge, de spasticité, ça devient plus délicat d'aborder d'autres problèmes du type d'aller jusqu'à la sexualité. Oui, mais tu peux justement, Jean-Gabriel, s'il y a un gros problème de spasticité, tu peux très bien glisser. Est-ce que ça ne vous gêne pas dans les relations sexuelles avec votre mari? Il y a des petits mots très simples à faire et il y a des femmes pour qui c'est important.
On va y venir et je rebondis sur les propos de Jean-Gabriel et je te pose la question, Kathleen, sur l'arsenal thérapeutique. Parce qu'on a quand même bien l'impression que quand on fait de la neurosexologie chez l'homme, comme l'exposé de Jean-Gabriel a bien montré, on a toute une série de solutions médicamenteuses ou autres, etc. Chez la femme, on est toujours un peu sur notre faim, si je puis dire, sur les possibilités thérapeutiques. Alors donc, Oui, mais est-ce que par exemple, toi, tu utilises ce que tu as cité dans tes diapos? Est-ce que tu utilises des inhibiteurs de la phosphodiestérase chez la femme? Est-ce que tu utilises la rééducation périnéale, bien qu'on n'ait pas beaucoup d'évidence best medicine là-dessus? Est-ce que tu utilises ça? Alors, c'est vrai que je n'ai pas développé tout ce qui était thérapeutique, puisque c'était plutôt les difficultés qu'on rencontrait dans la prise en charge. Je n'ai pas développé ça. C'est vrai que je l'ai mis, on n'a pas les mêmes traitements médicamenteux, ça c'est sûr que pour l'homme, mais c'est vrai que la femme n'est pas dans la même demande. Nous, on n'a pas une demande de performance. Nous, on veut simplement être dans le ressenti, comment pouvoir avoir des bonnes sensations et avoir envie d'avoir des rapports ou d'avoir une activité sexuelle, que ce soit avec un partenaire ou sans partenaire. Et en fait, en sexologie chez la femme, on s'est rendu compte que le béaba, c'était vraiment l'information, l'éducation, comment connaître son corps, comment développer ses habiletés corporelles, comment ressentir son périnée. Et c'est là où nous, on fait des cartographies périnéales, de la rééducation périnéale, même chez des femmes qui n'ont pas de sensibilité, mais juste pour essayer de leur montrer quand même ce qu'elles peuvent sentir, puisque quand on faisait la cartographie périnéale, on a bien montré que la majorité des femmes ressentaient plus qu'elle ne pensait. Donc, on peut toujours trouver, quand on voit d'ailleurs l'innervation du périnée, il y a plein de petites branches, il peut y avoir des petites sensations et entre rien du tout et un peu de sensation, ça peut permettre de travailler sur son ressenti sexuel. Donc, on développe beaucoup ça avec les femmes. Les épées de E5, on a été un petit peu déçus parce que si chez l'animal, on a montré qu'il y avait vraiment une vasocongestion des organes génitaux féminins, chez la femme, c'est sûr que si on a un bon engorgement vaginal, c'est bien, mais si on ne sait pas s'en servir à la limite et si on ne sait pas le ressentir, c'est là où on travaille justement sur chez les bécémulaires, l'hyperréflectivité, etc. C'est plutôt tout un travail de connaissance de son corps et de développement de ses habiletés corporelles. Donc on dirait que c'est presque plus de la rééducation, oui, périnéale. On a quand même bien l'impression, quand on interroge et quand on explique tout ça aux patients, parce que comme tu viens de le dire, le plus grand des travaux, c'est l'explication, on va dire, physiopathologique, que la majorité des femmes, allez, 95%, notamment les sclérose en plaques, sont satisfaites et se contentent du fait de savoir qu'en réalité, ce n'est pas entre guillemets dans leur tête, mais qu'il y a un rationnel d'origine neurologique, que c'est vraiment leur pathologie neurologique qui peut être Bien responsable de sûr. la dysfonction sexuelle. Et déjà, Bien sûr. ça les rassure quelque Bien sûr. part sur leur féminité, sur beaucoup de choses. Je ne sais pas si Jean-Marc et Jean-Gabriel, vous partagez cette opinion. Nous, tout à fait, Gérard. Moi, en ce qui me concerne, tout à fait, je pense que Jean-Gabriel aussi. La femme, ce qu'il faut, surtout chez le BC médulaire, lui montrer que, enfin, lui prouver qu'elle est encore une femme, qu'elle est désirable et que, certes, elle ne marche pas, certes, il y a des fonctions qui ne marchent pas, mais que la vie sexuelle est possible d'une autre façon. Et donc, comme tu disais, c'est la physiopathologie à expliquer avec des mots simples et même, je pense, à l'aider à franchir ce pas. Je pense que c'est Bien le sûr. plus important. Je sais Puis il y pas a le quel est développement des zones extracorporelles, enfin des extragénitales et tout, bien sûr. Jean-Gabriel? Oui, je voulais dire la chose sur laquelle j'insiste pour les femmes jeunes qui arrivent dans le service, c'est la sexualité, bien sûr, mais la fertilité. Et c'est aussi une façon d'aborder la sexualité en disant Tout à la fait. fertilité est intacte, là, les cycles vont reprendre et ça permet d'embrayer sur d'autres choses et puis de parler de la contraception, de parler de choses au stade initial. Bien Tu as sûr. tout à fait raison. Ma dernière question, Kathleen, c'est un problème qui est important et sur lequel on est vraiment confronté en neurologie. Comment abordes-tu la problématique du caractère, du moins au départ, quasiment obligatoire de la diminution du désir du partenaire? C'est-à-dire que
l'homme qui se retrouve avec une femme sclérosée en plaques ou paraplégique pour des raisons diverses et variées, d'intégrité corporelle, de peur de faire mal, de diminution a priori de la féminité, peut-être du désir de son épouse ou de sa compagne. Il y a quand même une diminution au départ, probablement du mari, du conjoint. Comment tu abordes ça avec la femme? Est-ce que tu demandes à voir le mari? Est-ce que tu imagines des thérapies de couple? Comment tu arrives à tourner ça? Parce qu'il y a des femmes qui nous disent ben « moi, j'aurais envie ». Oui, éventuellement, j'ai essayé par moi-même d'avoir des stimulations et ça ne marche pas si mal que ça, mais j'ai l'impression que mon mari n'a plus envie de moi. Alors, il n'a plus envie parce qu'elle sait qu'elle est paraplégique ou qu'elle est sclérosée en plaques, mais comment tu abordes ça? Parce que c'est compliqué. Est-ce que tu les envoies à des psychologues, à des sexologues? Bien sûr. Alors, très bonne question. Bien sûr qu'en thérapie, on essaye, enfin même en consultation, on essaye toujours d'avoir le partenaire, les partenaires. Mais c'est la même question que pour les hommes, parce que quand un couple, c'est l'homme qui est paraplégique, on va prendre les paraplégiques comme exemple, ben, l'homme paraplégique ou tétraplégique, c'est pas le même homme qu'avant, hein. Donc, une femme qui se retrouve avec un homme paraplégique ou tétraplégique, son désir peut être aussi bien diminué pour son mari, hein. C'est aussi bien le même, c'est la même problématique que ça soit l'homme ou la femme qui soit atteinte par la maladie. Bien sûr qu'il faut discuter avec le partenaire, il faut respecter aussi quand même les partenaires qui n'ont plus envie de la personne qui est devenue malade ou ça il faut respecter parce que c'est pas évident. Et bien sûr qu'on travaille beaucoup là-dessus. Si on parle des femmes là, qui ont des lésions médulaires, ben, la première chose, bien sûr, c'est très, très, très les problèmes d'incontinence, parce que c'est vrai que avoir des rapports sexuels avec une femme incontinente, ce n'est pas évident. Mais il faut dédramatiser tout ça, parce que autant on se pose des questions pour les hommes paraplégiques et tétraplégiques en disant comment ils trouvent des femmes qui veulent vivre avec eux, ben, c'est le même problème. Il y a des hommes qui trouvent quand même qu'une femme en fauteuil, elle peut retrouver sa féminité, être toujours très coquette, et puis comme je vous le disais, développer une sexualité différente en utilisant des vibromasseurs, ce ne sera peut-être pas la même sexualité qu'avant, mais ça peut être une sexualité très satisfaisante et pour elle-même et pour son partenaire, hein. Donc c'est le même problème que pour le couple où c'est le mari qui est en situation de handicap. Jean-Gabriel et Jean-Marc, vis-à-vis du côté inverse, on va dire. Moi, je dirais que dans un couple comme ça, c'est celui qui présente le handicap qui doit faire le chemin. Et c'est le couple qui doit faire le chemin. Et si le couple n'a pas envie de le faire, c'est même pas la peine d'insister. Bon, nous, on est souvent privés à la campagne de voir le couple. On n'en voit souvent qu'un, quelquefois deux, mais c'est à un et l'autre, c'est un problème de couple, c'est plus autre chose. Parce que l'amour, ça peut être avec un handicap, ça peut exister. Donc après, il y a une séparation, ou alors il y a, ou carrément, simplement, parce que la femme se dit, il ne peut pas, mais je l'aime, et inversement. Donc je pense que c'est à eux de décider, on ne peut pas intervenir là-dessus. Jean-Gabriel. On ne peut pas intervenir, ça c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Mais c'est l'histoire du couple. Est-ce que c'est un couple récent? Est-ce que c'est un couple ancien? Est-ce que c'est un couple solide? Est-ce que c'est un couple qui avait déjà des problèmes? Est-ce qu'il y avait d'autres problématiques? Il y a même des couples qui nous ont dit que la lésion médulaire les avait aidés à construire une meilleure sexualité. Parce que du coup, on est obligé de parler, on est obligé de dire, mais toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je ne fasse pas? Qu'on ne dit pas forcément quand tout va bien, entre guillemets. Oui, Kathleen. Alors après, si soi-même on est limité, il ne faut pas hésiter. Comme on est médecin rééducateur, on a beaucoup de choses à gérer. Si on se sent limité, comme je disais dans le PowerPoint, c'est très important de dire j'ai bien compris la problématique, c'est très important, je n'ai pas le temps ou je ne peux pas en discuter avec vous, donc je vais référer à un collègue psycho ou sexothérapeute ou sexologue qui va en discuter, qui va vous prendre en charge pour ça, pour vous aider. Merci Kathleen. On va aborder maintenant les. Merci beaucoup et merci pour ton expérience, ta grande expérience là-dessus. On va aborder le topo de Jean-Gabriel avec Jean-Marc et Jean-Gabriel, mais toi aussi Kathleen, tu interviens bien évidemment. Il y a une grande variabilité, Jean-Gabriel, sur les diapos que tu as montrées, sur les résultats de la prévalence des troubles de l'érection et de troubles de l'éjaculation. Pourquoi? Un patient qui a le même niveau médulaire, qui a à peu près le même type de déficit moteur sensitif et éventuellement végétatif, pourquoi certains ils ont une érection correcte et d'autres il n'y a pas d'érection, et pareil pour l'éjaculation.
Est-ce que c'est des phénomènes, j'allais dire, quasiment corticaux d'inhibition sur des réflexes médullaires? Est-ce que c'est le caractère complet, incomplet de la lésion? Est-ce que c'est des comorbidités? Est-ce que c'est les médicaments qu'ils prennent ensemble? Il y a un truc, tu vois, qui me dit, tiens, je ne me rappelle plus le chiffre, 17% de machin, mais ça veut dire qu'à contrario, tu en as 80% qui n'ont pas. Pourquoi? On sait ça ou non? Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, effectivement. Et tu le dis bien, il y a à la fois des choses qui sont somatiques, qu'on comprend peut-être un peu mieux, et des choses qui sont du domaine végétatif, où là, on comprend encore moins bien. Si on parle d'érection, les érections, elles sont réflexes, et donc il y a quand même un lien avec la spasticité périnéale, avec la possibilité donc d'avoir une spasticité sous-lésionnelle. Et donc là, il y a un côté somatique, avec des spasticités plus ou moins importantes qui pourront donner des érections qui vont se maintenir et la possibilité de rapports sexuels, mais qui restent quand même pour un nombre assez limité de patients. Et là, on a les études de Borse et Comard qui ont été faites dans les années 60, quand il n'y avait aucun médicament. Donc là, on a de vraies données, autant sur le plan somatique pour des érections réflexes en tant que telles, on a des indices et effectivement l'examen clinique, des repères pour savoir si la personne a des possibilités ou pas. Autant sur le plan végétatif, là, sur l'éjaculation en elle-même, mais dans d'autres domaines végétatifs, pourquoi des patients à niveau égal, par exemple T6, avec des lésions complètes spastiques, pourquoi certains vont faire des HRA sur vessie pleine, pourquoi d'autres pas? À l'inverse, pourquoi certains patients vont faire des hypotensions sévères et d'autres pas, à des niveaux médullaires semblables, a priori végétatifs semblables, mais là, les mécanismes d'excitation orthosympathique, voire parasympathique, mais surtout orthosympathique, semblent être totalement différents. Et donc, on n'est pas sur des simples phénomènes liés au niveau de la lésion, ou la sévérité de la lésion, mais aussi certainement sur des phénomènes de neurologiques, de neurotransmetteurs, de nouvelles connexions qui se font et qui doivent être différentes ou sur un mode différent pour un patient vis-à-vis d'un autre, qui explique pourquoi certains ont une sensibilité plus grande peut-être pour la noradrénaline que d'autres. Ils vont faire des poussées d'hypertension ou éjaculer plus facilement que d'autres avec des stimulations qui a priori sont similaires. Mais c'est une grande inconnue, effectivement. Et là, malgré l'examen végétatif qu'on peut faire, c'est très difficile de discriminer, de savoir à l'avance quel patient va éjaculer, quel patient ne va pas éjaculer. Et donc, on leur dit, ouais, il y a une chance si on fait le vibromassage, on a une chance sur deux de provoquer une éjaculation, mais on ne peut pas prédire lequel va éjaculer, lequel ne va pas éjaculer, effectivement, à niveau égal. Jean-Marc, tu veux revenir là-dessus? Oui, pour l'éjaculation, je suis entièrement d'accord avec Jean-Gabriel, bien entendu. Il n'y a rien de prédictif, hein. Absolument rien. De toute façon, cette éjaculation, elle est dyssynergique. Pourquoi il y a des patients avec la même dyssynergie, enfin le même niveau, arrivent à avoir des mixtions avec cette dyssynergie et que d'autres n'arrivent pas à en avoir? On a exactement le même problème. Alors, c'est propulsion, puis résistance, et ainsi de suite. En ce qui concerne l'érection, la définition a changé au cours du temps. Donc, quand on regarde les grands comme Bohr, Comard et compagnie, l'érection, pour eux, c'était une petite rigidité qui apparaissait au cours d'une stimulation et ça suffisait. Or que l'érection, actuellement, c'est une rigidité de la verge qui se maintient pendant la totalité d'un rapport sexuel. Donc, on a forcément déjà des chiffres dans le temps qui se modifient. Hein, de 80%, on peut passer à 50%. Mais Merci. après. Question à tous les trois, et peut-être plus spécialement à Jean-Gabriel qui l'a signalé. C'est quoi le mécanisme de cette éjaculation rétrograde après des injections de toxines botuliques en intra-détrusorien? Alors, là, j'aimerais bien laisser la parole à Kathleen parce que je pense qu'elle faisait partie de cette étude-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas de, enfin, je dirais, on n'a pas de rationnel justement pour l'expliquer parce qu'a priori, il y a eu des études qui ont été faites avec la toxine botulique intra-col pour traiter des dyssynergies justement lisses et qui n'ont pas montré d'efficacité et qui n'ont pas montré qu'on pouvait relâcher le col de la vessie avec des injections de toxine botulique. Donc le fait que des injections de intra-détruseurs puissent provoquer plus d'éjaculation rétrograde reste assez mystérieuse. Donc c'est une constatation qui a été faite. Maintenant, sur le mécanisme physiopathologique, c'est assez difficile à comprendre. Kathleen, je ne sais pas Cette si tu étude de as. Caramel, oui.
Non, non, c'était l'étude de Romain Caramel qu'il a faite sur des dossiers de notre unité, effectivement, où c'était les patients. L'idée m'avait été venue parce que des patients m'avaient signalé qu'après l'injection intradétrosorienne de toxine botulique, ils avaient remarqué qu'effectivement, ils avaient ce phénomène-là qui disparaissait au bout de quelques temps. Alors, est-ce que c'est quand même une diffusion du produit? Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'explication. On a simplement pu décrire ce qu'on avait observé, mais avec les spermogrammes à l'appui, donc quelque chose d'objectif. Mais c'est un grand mystère de savoir pourquoi des injections dans le muscle, enfin dans la paroi, oui, la paroi vésicale, dans le détrusor, entraînaient ce phénomène d'éjaculation rétrograde. Est-ce que, du coup, il y avait aussi, on s'était dit, est-ce qu'il y a plus de spasticité du sphincter strié? Mais alors pourquoi? Parce que s'il y a une éjaculation rétrograde, c'est soit que le col est trop couvert, soit que le sphincter strié ne veut pas s'ouvrir. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi, parce qu'au contraire, on devrait avoir moins de spasticité du sphincter strié, ou au contraire, on a quand même une diffusion au niveau de toute la musculature lisse et un col qui s'ouvre plus, parce qu'il n'y a pas d'autre explication logique. Hein. Oui, Voilà, pardon. donc On n'a c'était jamais bizarre. su pourquoi il y avait une éjaculation rétrograde, hein, avec ou sans botox. On se dit, c'est le col qui devait être ouvert, alors qu'on sait très bien que les cols sont fermés et refermés et très forts. Et tout ce qui a Oui, moi je été pense que les c'est moi. explorations n'ont pas montré, certainement pas au cours d'une éjaculation, que le col s'ouvrait. C'est ça qui est extraordinaire. On ne sait déjà pas pourquoi il y a une rétrograde. Donc, c'est Oui. difficile de le raccorder à quoi que ce soit. Sauf dans les cas où le col est Bien béant. sûr. Oui, Alors, je suis d'accord avec toi. Soit comme tu dis, où le col a été. Et puis il y a quand même les alpha-bloquants. Le fait des alpha-bloquants qui montrent quand même que sous alpha-bloquant, on a plus d'éjaculation rétrograde. Donc c'est bien que là, ça ouvre le col. Oui, Mais. mais les alpha-bloquants, ils ne jouent pas qu'au niveau du col et du Ouais. sphincter. On sait très bien qu'ils jouent au niveau du détrusor. Karl-Erik Oui. Anderson, quand il Ouais. fait ses traitements de Oui, bien sûr. l'hyperactivité de Ah, mais je vessie, suis il commence d'accord. toujours par les Mais alpha-bloquants. ça, je suis d'accord. Oui, je suis Puisqu'on d'accord. parle d'éjaculation, Jean-Gabriel, est-ce qu'on a déjà tenté et puis c'est un petit peu la grande mode, hein, de la fée électrique, est-ce qu'on a déjà fait des études sur neuromodulation, on va dire périphérique, tibiale par exemple, et érection ou éjaculation chez le paraplégique? Alors, quand on voit les vieux travaux, Brindley, machin, etc., on voit que l'électricité, ça peut un peu modifier les choses. Est-ce qu'on a tenté de faire ce type de stimulation pour améliorer quelque chose? Alors, en stimulation périphérique, Jean-Marc, non, je Non, n'ai pas de souvenir. non, non. Même fou, je n'ai pas réussi, je n'ai pas pensé à ça. J'ai jamais essayé, Gérard. Mais pourquoi pas, puisque pourquoi pas? Maintenant, c'était la technique de Brindley, effectivement, en parallèle au Brindley, à la neuromodulation sacrée, qui avait proposé de faire des stimulations endorectales du nerf hypogastrique direct, donc par voie rectale, et qui parvient à déclencher les éjaculations chez le blessé médulaire. Et donc, c'est au Mans, à Guihégon, qui a continué aussi à faire d'obtenir du sperme avec cette stimulation. Donc, ça marche bien. Le problème, et donc on est bien sur une stimulation périphérique, le problème, c'est d'avoir le matériel adapté pour faire ce type de stimulation en sécurité. Donc, c'est une stimulation assez profonde et la technique n'a jamais été vraiment validée. Donc, on sait que ça peut marcher par une stimulation périphérique, en tout cas en contact du nerf hypogastrique, en endorectal, ou dans les fossettes ischio-rectales, pour le reste, notre type de stimulation, non, je n'ai pas Même le matériel, Jean-Gabriel de Brindley, que Brindley utilisait, il n'a jamais été agréé, validé. Hein. Voilà, C'est ouais. du bricolage et donc on ne peut pas l'utiliser. Moi j'en avais un, je ne l'ai jamais utilisé, hein, honnêtement. Qu'est-ce que vous pensez tous les trois sur l'interrelation entre éjaculation et spasticité? Je me rappelle, je crois que Jean-Marc était là, un board où vous avez été présent, sur le fait que l'éjaculation, d'une manière transitoire, diminuait la spasticité des membres inférieurs chez le paraplégique, et ce prouvé à la fois sur le plan clinique et sur le plan neurophysiologique avec des réflexes EH. Dans votre expérience qui est considérable de la prise en charge de ces patients paraplégiques, quand vous les faites éjaculer par tout ce qu'a raconté Jean-Gabriel, le vibromassage, le Gutron, le machin, etc., est-ce que les patients vous rapportent vraiment ça?
Est-ce que, comme des patients qui sont sclérosés en plaques qui disent je prends un bain froid et c'est génial, je suis moins raide, est-ce que les gens vous disent bah, après, quand je me masturbe ou après une éjaculation avec un rapport, je suis beaucoup plus confortable? Vous avez des données là-dessus, une expérience des... Ah ben oui, enfin, moi personnellement, je peux dire que j'ai vraiment vu des patients qu'on avait installés en test qui étaient extrêmement spastiques. Et quand on les remettait dans le fauteuil, ben, il n'y a pas tortillé, ils étaient beaucoup plus souples. Et des patients qui témoignent que oui, ils aiment bien déclencher une éjaculation à la maison parce qu'après, par contre, le délai d'efficacité est très variable. Ça peut être une demi-heure, une heure, une demi-journée, une journée. C'est très, très variable sur les patients. Alors, est-ce que c'est une bouffée d'endorphine, je ne sais pas, est-ce que ça ressemble à ce qui se passe après l'orgasme chez l'homme non neurologique? Mais c'est vrai que nous, on l'a vraiment observé. Jean-Marc, Ah, Jean-Gabriel. oui. Jean-Marc est sûrement aussi. Oui, là, franchement, c'est presque systématique, hein. Quand on a une belle éjaculation, le patient perd la spasticité au niveau des membres inférieurs. Ça peut durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures pour certains. Je n'ai jamais étudié quel niveau, s'il y avait un rapport avec le niveau. Ça serait intéressant, oui. Mais c'est vrai que c'est évident. Ça ressemble à une sidération médullaire, comme un choc médullaire. Et vraiment, il n'y a plus de spasticité, mais zéro spasticité au niveau des membres Pour inférieurs. Donc, certains, c'était démontré sur le plan physiologique, mais franchement, on peut le constater à chaque fois. oui. Vous êtes tous les trois des médecins de rééducation. Est-ce que le fait de supprimer ce qu'on appelle, entre guillemets, les épines irritatives aux membres inférieurs, compte tenu de tous ces afférents qui arrivent au niveau du cône terminal et tout, la physiologie nous a rappelé Jean-Gabriel, est-ce que le fait de supprimer des épines irritatives améliore l'éjaculation? Alors, Alors, moi, je dirais oui. rien n'est prouvé. Non. Rien n'est prouvé, ni en épine irritative, ni en effet secondaire de médicaments chez le blessé médullaire ou chez les neurologies. Il n'y a pas non plus d'études qui montrent l'effet nocif des traitements. On parle beaucoup des anticholinergiques qui pourraient avoir cet effet, mais oui, OK, quand ça ne marche pas, on va proposer aux patients de régler leurs problèmes. Et de toute façon, avant de les préalables pour l'érection et encore plus l'éjaculation, c'est d'avoir un équilibre sur le plan vésico-sphinctérien, anorectal. Et donc, on essaie de supprimer les épines irritatives, mais rien. Donc, oui, on va rechercher les épines, mais non, rien n'est prouvé sur l'action d'une épine en particulier ou d'un médicament en particulier, pour l'éjaculation en tout cas. Tu as en partie répondu à une autre question que je voulais poser, c'était quid des anticholinergiques et de l'éjaculation? Il y a des études qui ont été faites dessus. Je ne pense pas, enfin, je n'en ai pas connaissance. Moi, En marche. j'en ai jamais lu non plus, Gérard. Okay. Par contre, on Bon, a toujours. c'est notre pain quotidien quand même, hein. Ouais. Oui. Je pense que c'est une question qui mériterait d'être étudiée parce qu'on a quand même quelques patients, quand ils ne prennent pas leur Lyrisal, quand ils ne prennent pas leur traitement le matin, qui retarde la prise en charge, que ce soit les anticholinergiques ou d'autres molécules, des fois le test est plus positif. Mais c'est vrai que c'est des cas cliniques et on ne l'a pas validé, mais ça vaudrait le coup de le faire, oui. Autre question pour tous les trois. Qu'est-ce que vous pensez, dans votre expérience, de l'incontinence urinaire éventuellement fécale, mais surtout incontinence urinaire pendant les rapports sexuels chez le paraplégique, au moment de l'érection, au moment de l'éjaculation? Moi, j'ai quelques patients, mais plus des lésions beaucoup plus basses, cône, queue de cheval, qui décrivent des incontinences urinaires au moment en parallèle de l'éjaculation. Vous avez quelque chose dessus, ou Jean-Marc, Jean-Gabriel, Kathleen? Alors, pour si c'est des hommes périphériques, vrais périphériques, normalement c'est des éjaculateurs précoces, donc ils ont des émissions de sperme, ils peuvent aussi avoir en même temps, je l'ai vu ça sur table, des petites fuites d'urine, mais parce que c'est des vessies vraiment périphériques avec, à mon avis, une incontinence, une insuffisance sphinctérienne très importante, hein, je pense que c'est ça, c'est la contraction musculaire qui fait ça. Oui, ça, c'est effectivement ça. Mais moi, je ne l'ai pas vu trop, je pense, chez les centraux. Enfin, les vessies centrales, non. Chez S'ils les sont hommes, pardon. périphériques à ce point-là, ils n'ont pas de contraction. Ils risquent rien. Non, non, mais au moment de l'éjaculation, il se passe quand même quelque chose. Je veux dire, Ouais, quand il y mais a l'émission, c'est les baveux, c'est ischios baveux. Mais caverneux sont quand même. Sont... oui, je sais bien, mais ça c'est. On a vu des émissions, on voyait bien qu'il y avait de quelque chose qui était de l'ordre du sperme et quelque chose qui était vraiment de l'urine. Ce n'est pas des vésicules séminales qui peuvent se remplir d'urine, de choses comme ça. On ne sait pas tout ça. Jean-Marc, Jean-Gabriel?
Moi, je pense que dans certains cônes et épicônes, ça peut arriver. Mais bon, moi, j'en ai pas la preuve, hein, mais j'en ai déjà vu, quoi. J'ai déjà vu des éjaculations accompagnées de miction que je fais analyser. C'est comme ça que je sais, hein, que ça, qu'il y a eu une éjaculation. Mais l'explication, j'en sais rien. Ça serait intéressant de savoir comment se comporte le col vésical pendant tout ça, par exemple. Mais je n'ai pas la réponse, Gérard. Je ne sais pas si Gabi a lu quelque chose. Non, non, je n'ai rien lu. Maintenant, c'est toujours la recommandation qui est faite tant aux hommes qu'aux femmes. De vider la vessie avant le rapport, c'est qu'il limite les risques. Maintenant, la question est posée aussi pour des patients qui sont en mode mictionnel, en miction spontanée. Oui. Eux peuvent avoir des mictions réflexes qui peuvent se déclencher et c'est plus difficile de vider complètement la vessie. Donc, c'est aussi un conseil qu'on donne à certains de mettre un préservatif spécifiquement pour le rapport, de façon à ce que s'il y a une fuite, ben, ce soit le contenu dans le préservatif. Tu as tout à fait raison de rappeler ces grands principes extrêmement pratiques. Avant-dernière question, est-ce que vous n'avez pas l'impression, avec tout ce que tu nous as rappelé, Jean-Gabriel, sur l'innervation végétative, etc., que ce qui se passe un peu chez le paraplégique, ça ressemble un peu à ce qu'on observe dans le fameux post-orgasmique illness syndrome. Ces hommes qui, après éjaculation, sont pas bien pendant quelques heures ou quelques jours avec des céphalées, des frissons, des troubles de la mémoire, de l'idéation, de la synthèse, etc. Parce que quand on vous écoute chez ces paraplégiques, ça ressemble vraiment à ça, cet orage végétatif post-éjaculatoire que des hommes, entre guillemets, pas normaux, mais non paraplégiques, non blessés médulaires, nous rapportent. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que je ne connais pas ce syndrome, mais ça fait très dysautonomique, effectivement, Gérard. Oui, sauf que quand on a fait des tests végétatifs chez ces patients-là, on n'a rien trouvé. Et c'est vrai que quand on vous écoute, ça ressemble à ça. Allez, la dernière question, parce que vous vous rendez compte, on est déjà à 43 minutes de discussion, mais on ne s'en lasse pas, hein, Kathleen. Dernière question. Peut-être juste pour Jean-Marc, là. On a beaucoup parlé de blessés médulaires et de sclérose en plaques. On n'a pas beaucoup parlé des traumas crâniens. Je sais que tu aimes beaucoup, tu as une grande expérience de ça. Et des parkinsoniens, on a parlé du déficit sexuel, c'est-à-dire trouble de l'érection, trouble d'éjaculation. On n'a pas parlé de l'hypersexualité, notamment chez les parkinsoniens ou les traumas crâniens. Juste un petit mot, Jean-Marc et Jean-Gabriel. Monsieur. Oui, de temps en temps, bon, parce que c'est beaucoup décrit, et on en a, disons, 1% qui sont au contraire hypersexuels. Alors, souvent, c'est des démonstrations plus qu'autre chose, des tentatives d'attouchement, une petite obsession avec le sexe, mais bon, c'est rarement des agressions sexuelles, honnêtement. Hein. Bon, après, c'est extrêmement localisé sur le plan céphalique, et ainsi de suite, et puis un petit coup de frontal là-dessus, à mon avis, mais ce n'est pas la majorité des patients. Hein. En général, c'est un trouble à libido, plutôt. Jean-Gabriel ? Non, je n'ai rien à rajouter. Non, 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 voilà, ça reste, on en parle beaucoup, mais ça reste vraiment un petit... Ah oui, oui, oui. Il y a quelques articles là-dessus, mais en fin de compte, le nombre de cas est très faible. Oui, tout à fait. Pour les traumatisés crâniens, les traumatisés crâniens ont quand même, certains ont des inhibitions frontales et vraiment des désirs, que ce soit des femmes qui s'agrippent aux soignants, hommes, et des hommes qui essayent de s'agripper à des femmes avec et là en érection. Et moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir un jeune, effectivement, qui était en belle érection et qui essayait de m'attraper. Ce n'était pas une agression violente, hein, ça, mais bon, c'était quand même un comportement désinhibé d'un traumatisé crânien. Et pour les parkinsoniens, ça c'est vraiment connu sous certains traitements pour les hommes, oui, et un peu pour les femmes aussi, c'est comportement addictif. Hein, ouais. Très bien. Dernier point, est-ce que vous avez envie de vous poser une question piège à l'un d'entre vous? Cathy, tu veux poser une question à Jean-Marc? Jean-Marc, une question à Jean-Gabriel ou autre? Non. Ah, vous êtes tout gentil. On s'aime trop. On se connaît trop, je crois qu'on s'est déjà posé toutes les questions quand on se croisait et tout. On va réfléchir. Bon, en tout cas il me reste à vous remercier au nom de tous les auditeurs qui vont nous écouter pour la qualité, bien évidemment, de vos présentations et puis encore une fois de la discussion. Et donc j'espère qu'on va se revoir très bientôt en présentiel. Merci. Bon, merci à toi surtout. Hein. Au revoir. Merci à tous les quatre. Au revoir.